Voilà, je suis très contente de vous retrouver, professeur Jacques Livage, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir ici pour une très très belle conférence. Et donc ce soir, eh bien, nous allons découvrir un autre aspect, un aspect peut-être plus proche encore de votre travail de recherche que la fois dernière. Plus proche, il correspond même tout à fait à ce que je fais en recherche. Voilà. Alors, itinéraire d'un chimiste du solide qui a été à l'origine du développement de la chimie douce dans le domaine des matériaux. Vous avez commencé par un diplôme d'ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie à Paris. De Paris, oui. Voilà. Puis après, il y a eu un doctorat d'État que vous avez fait à l'université Paris-Sorbonne. Et puis là, vous êtes parti à Oxford pendant un an. Oui, après ma thèse, je suis parti faire un post-doc à Oxford, au laboratoire de physique d'Oxford pendant un an. Oui. Donc, c'était pas facile à l'époque parce que vous êtes parti avec femme, deux enfants et pas de sous. Et oui, alors l'université m'a dit, bon, si vous ne faites plus vos cours, on ne vous paye plus, donc partez. Je suis donc parti sans salaire et sans bourse. Ouais. Avec Heureusement que pendant vos études, vous aviez déjà commencé à faire un peu le journaliste. Effectivement. Alors pendant ma thèse, j'avais pas mal de temps de libre et j'en ai profité pour faire du journalisme. En fait, j'étais pigiste, donc payé à l'article, dans la revue qui s'appelle L'Usine Nouvelle. Et c'est en fait grâce à ces piges que j'ai faites quand j'étais à Oxford que j'ai pu quand même survivre quelques mois là-bas. L'Usine Nouvelle, c'est quelque chose qui existe à L'Usine Nouvelle, je pense que ça existe toujours. Et ça doit peut-être avoir un siècle d'âge déjà. Enfin, c'est une revue très, très, très connue dans ce domaine-là. Vous n'étiez pas un petit pigiste qui faisait des petits entrefilets comme ça, hein ? C'était 4 pages, vous me disiez. Alors, quand j'étais à Oxford, comme il fallait bien que je gagne ma vie, c'était 4 pages par mois, oui. En fait, ce qui vous a aussi sauvé là-bas, c'est une rencontre. Vous savez, les rencontres, elles sont assez extraordinaires. Et là, ça nous permet d'avoir une pensée pour un monsieur qu'on aime bien, qui a beaucoup aidé à la création de l'espace des sciences ici. Michel Cabaret était son ami. C'est Hubert Curien, qui a été votre professeur, je crois, aussi. Ah, je l'ai eu comme professeur quand j'étais étudiant, donc quand j'ai passé les licences à la Sorbonne. Hein. Oui. Alors, la rencontre, c'est simplement qu'au bout de 3-4 mois à Oxford, j'avais vraiment plus beaucoup d'argent. Je suis allé à l'ambassade de France en disant, écoutez, faudrait essayer de m'aider. Et j'ai eu une chance terrible. Ce jour-là, l'adjoint de Hubert Curien était à l'ambassade de France pour essayer de voir comment on pouvait établir un système de bourse. Et j'ai eu la première bourse. Si j'étais venu la veille ou le lendemain, c'était foutu. Donc j'ai pu terminer et rester une année à Oxford grâce à la bourse qui a été fondée par Hubert Curien, effectivement. Comme quoi, hein, parfois, le hasard fait bien les choses. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous avez été professeur à l'université Pierre et Marie Curie, membre de l'Institut universitaire de France dès 1996, je crois, professeur au Collège de France à la chaire de chimie de la matière condensée dès 2001. Et vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2002. C'est bien possible. Alors, bien que vous me disiez le contraire tout à l'heure, vous avez reçu des prix, des distinctions, des médailles en France, mais aussi en Inde, au Royaume-Uni, en Espagne, en Argentine, etc. Alors, vous m'avez dit, oh non, j'en ai pas eu tant que ça, je courais pas après ça. Moi, j'en ai quand même compté 13 ou 14. Hein. On a toujours envie d'en avoir plus. Alors, il y en a une que j'aime particulièrement, une distinction que vous avez reçue et que moi j'aime bien, c'est que vous avez reçu le prix de la francophonie pour le vocable chimie douce. Racontez-nous ça. Effectivement, c'est aussi un prix que j'ai bien aimé. Alors, c'est en fait à l'époque où j'étais encore journaliste. C'était, donc je regardais un petit peu les voies futures possibles dans le domaine de la chimie. Et j'avais écrit un article sur la chimie douce, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Vous allez entendre ce que c'est, puisque je vais en parler. Hein. Parlez bien dans le micro, oui. Jacques. Donc c'était un article qui est paru dans Le Monde, le 26 octobre 1977. C'était la date de mon anniversaire, c'est pour ça que je m'en souviens. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait son chemin. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que le terme chimie douce en français est utilisé par les anglo-saxons, les japonais, etc. Donc dans la littérature anglo-saxonne, vous allez trouver le terme chimie douce. Alors les seuls qui n'utilisent pas ce terme et qui disent soft chemistry, ce sont bien sûr nos collègues français. Ça fait beaucoup plus chic.
Est-ce que vous vous souvenez quand même ce qui vous a amené à faire des études, à vous diriger vers la chimie, vers les sciences peut-être au départ et vers la chimie? Vers les sciences, clairement. Je dirais que c'est la voie normale. On faisait le lycée, on passait le bac, on faisait des classes de préparation, on passait un certain nombre de concours. J'ai réussi un concours de l'école de chimie, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette école plutôt qu'une autre. Je ne dirais pas qu'il y avait une vocation particulière. Vous m'avez même dit que vous aviez un peu hésité entre le journalisme, justement, ensuite, et la chimie. Effectivement, parce que quand j'ai fait ma thèse, j'ai eu un poste d'assistant dans un laboratoire de travaux pratiques, mais il n'y avait pas de laboratoire de recherche. Donc j'étais tout seul avec les étudiants et le matériel des travaux pratiques. Et j'ai fait ma thèse comme cela. C'est pour ça que j'ai fait du journalisme en même temps, plutôt que de perdre mon temps. Et je dirais qu'à la fin de ma thèse, je me posais le problème, est-ce que je fais complètement du journalisme ou bien est-ce que je fais de la recherche? J'ai beaucoup aimé le journalisme. Simplement, je me suis dit, être journaliste, c'est être spectateur. Alors que chercheur, c'est l'acteur. Et j'avais envie d'être acteur. Donc c'est pour ça que je suis parti à Oxford. Oxford, parce que c'était pas trop loin. Le lendemain, je pouvais revenir en France, puisque j'avais plus de salaire, plus rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle ensuite, je suis revenu en France. Et là, j'ai rejoint un laboratoire de recherche. Et j'ai pu commencer, effectivement, à faire des choses sérieuses. Alors actuellement, vous ne faites plus de recherche vraiment, quoique vous vous intéressez toujours, on le voit bien. Enfin, vous en faites encore un petit peu parce que vous travaillez. Expliquez-nous un peu cette histoire de ce lieu à Senlis qui est en train de se créer, enfin qui est déjà créé, qui fonctionne un peu. Alors effectivement, je milite pas mal en ce moment, et vous allez en entendre dans mon exposé, sur le biomimétisme, c'est-à-dire que les scientifiques s'inspirent de la nature pour faire leurs recherches, pour développer de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux. Et il se trouve qu'à Senlis, ils ont créé un centre européen d'excellence sur le biomimétisme, qui a pour but un petit peu de réunir tous les gens qui travaillent là-dessus, de faire le bilan, de faire des colloques, que les gens se rencontrent, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que je milite pas mal en ce moment, sous forme de colloques, de rencontres, de projets avec des industriels, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe bien sur le plan français et même sur le plan international. En particulier, les Japonais sont en train de faire quelque chose un peu du même style. Alors, vous donnez aussi beaucoup de conférences pour des jeunes et des moins jeunes. Vous aimez, je crois, raconter un petit peu la science en train de se faire. Vous êtes très sollicité par la presse aussi. On vous entend assez souvent sur France Culture. On vous lit dans la presse écrite. Je crois que vous aimez toujours ça. J'ai toujours un petit passé de journaliste qui reste par derrière, effectivement. Oui. Voilà. Et puis ce soir, eh bien, vous allez nous parler des matériaux bio-inspirés, de l'art du feu à la chimie douce. Dites donc, c'est un sacré voyage que vous nous proposez. C'est là. Quelques centaines, milliers d'années, peut-être même millions d'années. Je vous laisse rejoindre votre table, cher Jacques. Le professeur Livage va nous proposer une belle soirée, je pense. Je vous précise aussi que cette conférence est enregistrée, que vous pourrez donc la revoir sur le site de l'Espace des sciences. Et je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Bien. Alors, comme on vient de le dire, je travaille dans le domaine des matériaux. Alors, le domaine des matériaux, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque remonte à la préhistoire, il y a mis 3 millions d'années à peu près, enfin, je ne sais pas exactement. Voici l'ancêtre, le premier scientifique des matériaux. À cette époque-là, la science des matériaux, c'était quoi? C'était prendre un silex et de lui donner une forme, de façon à ce qu'il puisse répondre à ce que l'on voulait faire, en faire une hache, un marteau ou quelque chose comme ça. Et la notion de forme est très importante dans le domaine des matériaux, parce que c'est elle qui va conférer au matériau ses propriétés. Alors pendant quelques millions d'années ou centaines de milliers d'années, on a fait des progrès, mais toujours en utilisant ce matériau naturel qui était le silex, la pierre, le bois, la corne, etc. Enfin, que des matériaux naturels. Et je dirais que la vraie révolution, le tournant décisif dans le domaine des matériaux, ça a été la découverte du feu. Alors, découverte du feu, pourquoi? Premièrement, parce que le feu permet de faciliter la mise en forme. Donc là, j'ai pris l'exemple du forgeron. Avec le feu, le fer va devenir plus malléable et on va pouvoir le travailler. Mais, et c'est aussi important, avec le feu, on va pouvoir transformer la matière, c'est-à-dire en fait faire de la chimie.
et prendre les oxydes de fer qu'on trouve dans le sol et les réduire avec du carbone pour faire le fer. Et le domaine des matériaux, en fait, c'est extrêmement important, puisque toute notre histoire, toute l'histoire de l'humanité, c'est celle des matériaux. C'est quoi ? C'est l'âge de la pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et derrière ces différents âges, ce qui se cache, c'est simplement l'aptitude que l'on a à maîtriser le feu, à obtenir des températures de plus en plus élevées. Bien sûr, pour la pierre taillée, il n'y a pas besoin de chauffer. Pour le bronze, il faut chauffer vers les 600 degrés. Pour le fer, vers 1000 degrés. Et on pourrait dire que maintenant, au 21e siècle, on est à l'âge du silicium. L'âge du silicium, parce que là, pour réduire la silice en silicium, il faut chauffer vers les 2000 degrés. Et c'est donc l'âge du silicium derrière lequel il y a toutes les nanotechnologies, l'électronique, l'informatique, etc. Et ce qui est important, c'est de voir que quand on maîtrise un nouveau matériau, je dirais que toute notre vie va pouvoir être modifiée. Et si je prends l'exemple du téléphone et de ma vie au moment où je passais ma thèse et maintenant, avant le téléphone c'était ceci, maintenant c'est un smartphone. La télévision c'était le tube cathodique, maintenant ce sont les écrans plats. Et ça, c'est grâce à la maîtrise du feu qui permet de faire le silicium, les semi-conducteurs, toute l'électronique moderne. Alors, on peut se poser la question suivante. Est-ce que finalement, notre civilisation, ça n'est rien d'autre que la guerre du feu ? C'est-à-dire que pour faire des progrès, pour évoluer, il va falloir pouvoir faire des températures de plus en plus élevées, 2000 degrés pour le silicium, voire des techniques de plus en plus sophistiquées pour mettre en forme nos matériaux. Et c'est à ce moment-là, je dirais, que j'ai écrit cet article qui était donc dans Le Monde. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels, au lieu de toujours courir après le feu, après les températures élevées ? Alors en fait, ça veut dire qu'il faut se retourner vers la nature, vers la matière faite par le vivant. Le vivant, ça fait 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre, et pendant ces quelques milliards d'années, le vivant a eu tout le temps de réfléchir, de mettre au point des nouveaux matériaux. Par conséquent, la nature est une source d'inspiration pour l'homme, c'est ce qu'on peut appeler le biomimétisme ou la bio-inspiration, et je vais juste citer quelques exemples. Alors, un exemple, c'est ceci, c'est la peau de requin qui permet au requin de faciliter l'écoulement de l'eau le long de la peau du requin. Eh bien, on a fait des maillots de bain, comme ceci, qui ont la même morphologie de façon à ce que ça glisse mieux dans l'eau. C'est évidemment le pointu, l'avant du TGV japonais, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au bec du Martin Pêcheur, et qui permet, quand on entre dans un tunnel, d'éviter les troubles dus à l'air. Et puis c'est aussi le velcro qui est inspiré de la fleur bardane. Donc vous avez tout un tas d'exemples qui existent déjà, qui sont inspirés du vivant, qui sont du biomimétisme. Alors ce que je voudrais faire regarder, c'est la même chose dans le domaine des matériaux. Donc ce que j'appelle les matériaux bio-inspirés, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour créer des nouveaux matériaux. Et je vais prendre un matériau extrêmement banal, extrêmement simple, qui est le verre, que vous connaissez tous. Hein. On utilise tous du verre, c'est même un matériau qui n'est pas cher. Un kilo de verre, c'est le prix d'un kilo de pommes de terre. Et on fait des bouteilles, des ampoules, des fibres optiques, de la laine de verre, des lunettes, etc. etc. Alors, qu'est-ce que la bio-inspiration peut amener dans ce domaine-là ? La première chose, vous connaissez la technologie du verre. On prend du sable et on le fond à des températures qui vont de 1000 à 1500 degrés. Donc c'est typiquement le four qui est ici. Alors évidemment, quand on regarde ça, tout ce qu'on peut se dire, le vivant, c'est râpé. Comment le vivant pourrait-il faire du verre ? Il ne peut pas. Il ne va pas chauffer à 1500 degrés. Et je vais essayer de voir plus près. En particulier, je vais m'inspirer de l'expédition qui s'appelle Tara, qui parcourt les océans et qui regarde un petit peu quelles sont les espèces qui sont dans les océans, et en particulier de regarder le plancton. Alors, le plancton marin, c'est extrêmement important. C'est tous les petits organismes qui sont à la surface de la mer et ils jouent un rôle fondamental, parce que c'est l'interface entre l'atmosphère et la mer. Et en particulier, c'est eux qui consomment le CO2. 50% du CO2 de l'atmosphère est consommé par le plancton et qui fabriquent l'oxygène et toutes les matières organiques nécessaires à la vie. Donc, c'est un système qui est extrêmement important.
extrêmement important et qui est facile à pêcher. Voilà la pêche au plancton. Hein. C'est juste à la surface, vous prenez une petite éprouvette, vous la trempez dans l'eau et vous le sortez. Vous sortez, vous allez trouver du plancton. C'est-à-dire que si vous regardez au microscope, vous allez trouver des milliers et des milliers de petites espèces, des petites crevettes, de petites choses, etc. Et parmi ces espèces-là, je vais juste en choisir une qui s'appelle les diatomées. Donc c'est là-dessus que je vais concentrer un peu mon exposé, sur les diatomées. Alors les diatomées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des micro-algues unicellulaires. Unicellulaires, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule cellule. Micro-algues, ça veut dire que la dimension, ça fait quelques dizaines de microns. Donc c'est quand même tout petit. Photosynthétiques, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elles font de la photosynthèse, et le quart de l'oxygène qui est sur Terre est produit par ces diatomées, par ce plancton ici. Et alors ce qui m'intéresse, moi, c'est que si on regarde cette cellule, il faut qu'elle se protège du milieu extérieur, elle se protège en se faisant une carapace, une coquille, et cette coquille, cette carapace, elle est en verre de silice. Donc c'est ça qui est intéressant, et évidemment, le verre, là, est fabriqué dans l'eau à température ambiante. Alors, les diatomées, c'est déjà connu depuis assez longtemps, en particulier au moment des grandes expéditions marines du 19e siècle, du temps de Charles Darwin, sur l'expédition du Beagles. Et ce qui avait intéressé Darwin, c'était la beauté. Vous allez voir que la beauté dans cette affaire-là est quelque chose de très important. Et ils se demandaient pourquoi elles étaient aussi belles, est-ce que c'était que pour le plaisir des yeux ? Et en fait, beaucoup d'artistes se sont inspirés des diatomées. Je cite ici Ernst Haeckel, qui a fait une autre croisière sur le Challenger, et qui a fait tout un tas de schémas, de croquis des diatomées et d'autres micro-organismes du plancton marin. Et puis, il y a quand même une chose que vous connaissez. Les diatomées, c'est un matériau qui est très poreux. Quand les diatomées meurent, elles tombent au fond de l'océan et ça fait un sédiment. C'est des sédiments, vous les retrouvez par exemple dans le massif central ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plein de trous. C'est des sédiments, des diatomites, des terres de diatomées qui sont très poreuses. Très poreuses, et c'est utilisé typiquement comme filtre typiquement dans l'industrie alimentaire pour filtrer le vin de Bordeaux. C'est aussi pour filtrer l'eau des piscines, etc., etc. J'avais sur la diapositive précédente 200 000 tonnes par an. Donc, vous voyez, c'est un matériau naturel et qui est extrêmement répandu, qui n'est pas une curiosité de laboratoire. Il y a même une application que vous connaissez, c'est celle d'Alfred Nobel. C'est-à-dire que pour transporter, pour manipuler la nitroglycérine, qui est un liquide extrêmement explosif, vous l'imprégnez dans les terres de diatomée, ça vous fait la dynamite. D'où la fortune d'Alfred Nobel. Bon, des diatomées, il y en existe plus de 100 000 espèces. On est représenté quelques-unes ici. Vous voyez, avec des formes tout à fait extraordinaires et superbes. Il en trouve partout. Vous en trouvez dans la mer, bien évidemment, mais aussi dans les lacs, dans les étangs, dans les rivières, dans les ruisseaux, partout. La diapositive qui est là, c'est simplement une goutte d'eau qui a été prise dans la Seine. Vous regardez au microscope et vous voyez que vous avez une foule de ces petites micro-algues, ces petites diatomées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu qui n'est pas une curiosité de laboratoire. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre ? En quoi peut-on être bio-inspiré par les diatomées ? Alors la première chose qu'elle nous montre, elle nous montre qu'il est possible de faire du verre dans l'eau à température ambiante. C'est ce que j'appelle la chimie douce, ou si vous voulez, quand l'eau remplace le feu. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir faire du verre et tous les matériaux à base de verre de cette façon-là. Alors la question, c'est de comprendre comment elles font. Et en fait, c'est extrêmement simple. Elles font simplement, c'est de la polymérisation. Les sols, c'est à 90% des silicates. Quand il pleut, une partie se dissout, passe dans les rivières, les lacs, va à la mer, etc., sous forme soluble. Forme soluble, c'est-à-dire sous forme moléculaire, c'est l'acide silicique, c'est-à-dire un silicium avec 4 oxygènes autour. Et ce qu'il faut faire simplement, c'est une réaction de condensation. Vous prenez 2 molécules avec les OH, vous enlevez le OH, c'est ce qui s'appelle une condensation, et vous avez maintenant lié les 2. Et par conséquent, c'est simplement, ça veut dire que vous allez faire de la silice, du verre, de la même façon qu'on fait une matière plastique en partant de vinyle pour faire du polyvinyle. Et donc la réaction, c'est la suivante. Vous partez de l'acide silicique dans l'eau, et puis vous allez les lier les uns derrière les autres. Et lorsque vous faites cela, vous passez d'une solution à quelque chose. Les particules vont grossir progressivement pour donner ce qu'on appelle des sols, puis des gels, puis si on le sèche, ça va donner une poudre, un verre ou quelque chose comme ça. Donc c'est de la silice colloïdale, des gels de silice.
Donc la chimie est très simple. Elle est très simple et vous pouvez faire une réaction que vous ferez très facilement et qui est très jolie. C'est que vous prenez un bécher ici avec du silicate de sodium, c'est-à-dire de la silice dissoute. Et vous jetez des petits grains, des petits cristaux de chlorure de fer, de cobalt, de sulfate de nickel, de choses comme ça. Et vous allez voir sous vos yeux la réaction de polymérisation qui va se faire. Vous voyez pousser des gels de silice. Et ça prend quelques minutes. Donc c'est typiquement la chimie qui est derrière cette affaire-là. Et vous voyez que ça donne des choses qui sont très jolies. Alors quel est l'intérêt pour l'homme, pour l'industriel? Premier intérêt, bien évidemment, c'est le gain d'énergie. Vous le faites à température ambiante et vous n'avez pas besoin de chauffer au-dessus de 1000 degrés. Deuxième intérêt, c'est de la polymérisation. Vous prenez une molécule, puis une deuxième, une troisième. C'est un peu comme la muraille de Chine. La muraille de Chine, vous voyez qu'elle a une forme tout à fait tordue, mais elle est faite avec des briques ou des pierres qui sont des parallélépipèdes. Ça veut dire qu'en agençant les molécules les unes derrière les autres, vous allez pouvoir faire un matériau sur mesure. Et puis surtout, point de vue de l'industriel, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir élaborer du verre, des matériaux à base de verre, sans passer par du sable que l'on fond, mais directement à partir d'une solution. Donc c'est là encore, au point de vue industriel, c'est la mise en forme qui va être extrêmement intéressante. Alors, ce n'est pas quelque chose de tout nouveau. La première publication scientifique, elle est de 1845. Le premier brevet industriel, 1939, par les verriers allemands, Schott-Glas-Werke, et la commercialisation de produits en 1959. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout nouveau, et je dirais que les industriels avaient déjà découvert cette affaire-là avant de regarder un peu les diatomées. Ce qui est intéressant, c'est que le premier congrès scientifique, je dirais que la recherche scientifique est arrivée bien après, plus de 20 ans après la commercialisation. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est une solution, c'est du liquide, hein, c'est comme de l'eau. Ben, vous pouvez pulvériser. Si vous pulvérisez, vous allez avoir des petites particules, des nanoparticules de silice, avec lesquelles vous allez pouvoir faire, par exemple, des membranes d'ultrafiltration. Vous pouvez aussi faire de l'extrusion. L'extrusion, comme on fait l'extrusion de fibres polymères, donc vous allez avoir des fibres. Ceci, par exemple, ce sont des fibres d'alumine. S'il fallait les faire par fusion, l'alumine, c'est plus de 2000 degrés. Et ces fibres d'alumine, par exemple, ont servi à faire les tuiles réfractaires de la navette Columbia. Vous pouvez aussi simplement, si vous voulez faire un revêtement sur un vitrage, tremper le vitrage dedans et le ressortir, ce qu'on appelle une méthode de trempage, et vous allez avoir des revêtements sur les vitrages modernes. Et ça a été, ça c'est la principale application, donc de faire des revêtements sur les vitrages. Comme il n'y a pas besoin de chauffer, bien sûr, vous pouvez faire le revêtement sur n'importe quel type de vitrage. Vous pouvez le faire sur des métaux, sur des polymères, sur du silicium, même sur des textiles. Donc c'est très facile à développer. Et voilà quelques-unes des applications, je ne vais pas entrer dans le détail, mais des applications actuelles et réelles de ce procédé qu'on appelle le procédé sol-gel, qui consiste à faire un matériau oxyde, typiquement de la silice, par cette méthode-là. Deuxième intérêt, pas simplement l'élaboration, l'intérêt c'est que vous allez travailler maintenant dans des conditions que j'appelle de chimie douce, en solution à température ambiante. C'est-à-dire des conditions dans lesquelles les molécules organiques sont parfaitement stables. Et vous allez pouvoir faire des matériaux qui ont à la fois de l'organique et du minéral, ce qu'on appelle des hybrides organominéraux. Et vous allez pouvoir faire toute une gamme de matériaux, alors qui sont là complètement nouveaux, qui n'existaient pas auparavant, qui sont des mélanges à l'échelle moléculaire d'organique et du minéral. Et vous pouvez faire toute une gamme de matériaux qui va de 100% de silice, du verre fragile, à 100% de polymère plastique, et tous les intermédiaires au point de vue de la composition. Vous voyez aussi que ces matériaux-là peuvent très facilement se mettre en forme par moulage, par polissage, etc. Donc ils donnent des matériaux tout à fait superbes. Alors vous pouvez, par exemple, mettre des molécules organiques dans du verre et utiliser donc toutes les propriétés optiques de ces molécules-là pour faire de la luminescence, du laser, de l'optique non linéaire, du photochromisme. Enfin, il faut faire toute une optique moléculaire où la molécule organique optique est protégée dans une matrice de verre. Vous avez des peintures aussi. Des peintures, vous voyez, ici c'est une peinture purement organique, ici c'est une peinture de silicate, et vous voyez que le composite est beaucoup plus stable que les deux composants. Vous avez aussi, ça c'est le travail d'un de mes collègues ici, qui est la restauration des céramiques, là, des mosaïques de la cathédrale de Prague, donc ça c'est les mosaïques avant restauration
au gaz atmosphérique, enfin au gaz d'échappement des voitures, etc. Vous nettoyez, ensuite vous mettez un revêtement hybride qui va permettre de protéger ces revêtements. Vous pouvez aussi, comme c'est hybride, fixer ça sur du plastique. Vous allez fixer ça sur du plastique, ça va faire un revêtement de silice. Silice qui est dur, et donc c'est un revêtement anti-abrasion. Ou vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire fixer la partie organique sur la partie minérale sur du verre et laisser l'organique à l'extérieur. L'organique est hydrophobe et ça vous fait des vitrages qui sont hydrophobes. Vous pouvez aussi, comme vous passez d'un liquide à un gel puis un solide, quand c'est gel, quand c'est mou, vous pouvez faire de l'estampage et imprimer un motif. Et par exemple, imiter une feuille de lotus avec ce motif-là qui fait que la feuille de lotus ou le verre, le revêtement ici, est très hydrophobe. Et vous voyez que ces revêtements-là, c'est ce qu'on appelle les revêtements auto-nettoyants qui permettent de se nettoyer sans qu'on ait à le faire nous-mêmes. Vous avez là une application qui a été développée par un collègue israélien. Pour faire des crèmes solaires, on met un produit organique qui va absorber les UV. Mais en général, ce produit organique se décompose, donne des radicaux libres, et c'est très mauvais s'il pénètre dans la peau. Donc ce qui a été fait, c'est de l'enfermer dans des petites billes de silice, toutes petites, hein, de l'ordre du micron, et on en fait une crème qui est maintenant une crème qui est commercialisée, une crème solaire où la partie organique active reste prisonnière dans la bille de silice. Donc voilà quelques-unes des applications possibles de ces matériaux hybrides, comme résine dentaire, etc. Puis, par exemple, une application, je dirais, de prestige, c'est le toit auto-nettoyant du Théâtre national de Pékin, qui avait été fait pour les Jeux olympiques, ou bien une application que vous utilisez tous, peut-être même sans le savoir, c'est les semelles de fer à repasser. Le fait qu'il y ait une partie organique fait qu'elles sont beaucoup plus douces et qu'elles glissent beaucoup mieux sur le linge. Troisième point, c'est de la chimie douce, donc compatible minéral-organique. Mais même plus que ça, c'est compatible entre la silice, le minéral, les matériaux réfractaires, le verre, et les matériaux biologiques. Et vous savez que quand dans le domaine des biotechnologies, quand on fait par exemple des lessives ou des choses comme ça, eh bien la partie, les enzymes, par exemple, il faut qu'elles soient fixées sur un support solide, sinon elles vont partir avec l'eau du bain. Et donc, en général, bien évidemment, c'est fixé sur des polymères. Mais on va pouvoir, par cette méthode-là, la fixer sur de la silice, qui présente un certain nombre de propriétés par rapport aux polymères. La résistance mécanique, l'inertie chimique, la transparence optique, et choses comme ça. Et c'est très facile, hein, il suffit de prendre des enzymes en suspension, de verser l'acide silicique, qui va condenser, polymériser, et il va se mettre autour des enzymes. Alors, quel est l'intérêt de cette affaire-là ? Ben c'est premièrement que l'enzyme qui est à l'intérieur, piégée dans une cage de silice, elle va être protégée. Elle va être protégée et donc elle va pouvoir durer beaucoup plus longtemps et pouvoir subir des variations de pH ou des choses comme ça. Et puis, les propriétés de l'enzyme dépendent beaucoup de la géométrie. Or, quand vous piégez l'enzyme, elle va être piégée dans une certaine géométrie. Et si c'est la bonne, vous allez pouvoir exacerber l'activité de l'enzyme. Alors ça, c'est par exemple le cas qui est ici d'enzymes qui s'appellent des lipases. Alors les lipases, c'est simplement des enzymes qui catalysent ce genre de réaction, c'est l'estérification des alcools. C'est une réaction extrêmement simple, classique de la chimie organique, que vous allez retrouver dans l'industrie du pétrole, la synthèse organique, l'agrochimie, la chimie médicale, etc., etc. Le problème dans cette réaction-là, qui est donc une réaction très, très commune, c'est que lorsque, en général, l'ester n'est pas soluble dans l'eau, c'est-à-dire que vous avez une émulsion des gouttes d'huile dans de l'eau. Or, la réaction enzymatique, la catalyse, se fait à l'interface de la partie ester et de l'eau, donc juste à l'interface de cette affaire-là. Et donc, ça va dépendre énormément de ce qu'on appelle la balance hydrophile-hydrophobe. Et vous pouvez contrôler cette balance-là en jouant sur la matrice dans laquelle vous allez piéger l'enzyme. Alors, pour montrer, si je piège l'enzyme simplement dans une matrice de silice qui est hydrophile, le rendement est très faible, 3%. Par contre, si je rajoute des groupements organiques, si je fais un hybride organominéral, eh bien, à ce moment-là, l'activité est 100 fois supérieure. Donc, vous pouvez non seulement protéger l'enzyme, mais vous allez aussi exacerber son activité. Et ça, c'est un produit qui est maintenant commercial,
Ça, c'est le catalogue de Fluca. Et vous voyez que les enzymes qui sont vendues par Fluca sont toutes immobilisées dans des matrices sol-gel, donc dans des matrices de silice hybride. On peut faire, je l'ai souligné tout à l'heure, des nanoparticules. Nanoparticules par pulvérisation, voilà le dispositif que nous avons développé au laboratoire, et ça va vous faire des petites billes de silice, des petites billes de silice dont le diamètre est de l'ordre de la centaine de nanomètres. Alors vous allez me dire tout de suite, oh là, halte là, nanoparticules, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut traverser les membranes cellulaires, et il y a tout un tas d'ennuis qui vont apparaître, et par conséquent, il faut immédiatement arrêter toute recherche dans ce domaine-là, puisque ça va être nuisible pour l'homme. Oui, mais, je dirais qu'à toute chose, à tout malheur, on peut trouver quelque chose d'intéressant, c'est ceci. C'est ces nanoparticules, elles vont pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Mais on peut peut-être leur dire, tiens, tu vas transporter un médicament à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire s'en servir comme vecteur pour délivrer quelque chose à l'intérieur des cellules. Et c'est ce qu'on appelle la nanomédecine, qui est quelque chose qui se développe beaucoup, qui était un des rêves de Paul Ehrlich, qui a eu un prix Nobel de médecine en 1908 et qui est un peu l'inventeur de la chimiothérapie. Il rêvait de ce qu'il appelait la magic bullet, c'est-à-dire cette cible magique qui va aller, le médicament va aller uniquement là où il y a les cellules malades et pas ailleurs. Eh bien ça, c'est quelque chose que l'on sait réaliser maintenant. Alors on fait des nanoparticules toutes petites, diamètre de l'ordre de 100 nanomètres, de façon qu'ils puissent traverser les cellules, la membrane des cellules, et pénétrer à l'intérieur. On met en général autour, il y a un peu de chimie à faire, hein, on met en général autour un revêtement qui évite que ces nanoparticules soient piégées par le foie. Donc c'est typiquement du polyéthylène glycol. Et on va mettre accroché des molécules qui vont reconnaître de façon spécifique, par exemple, les tumeurs cancéreuses. Alors si vous faites cela, c'est donc des choses qu'on sait faire au laboratoire actuellement, vous allez injecter ceci dans, par exemple, une souris. Donc ces nanoparticules, c'est les petites étoiles qui sont ici, ça c'est les globules rouges, vont circuler dans le sang et vont pénétrer uniquement là où il y a la tumeur cancéreuse. Et si par exemple ce sont des nanoparticules luminescentes, vous allez pouvoir voir l'endroit se focaliser les nanoparticules et donc vous allez pouvoir localiser la tumeur cancéreuse. Alors une fois qu'elle est localisée, si par exemple vous avez mis des nanoparticules luminescentes, vous allez irradier avec des UV. Irradier avec des UV, ça veut dire que vous allez traiter, vous allez créer des radicaux libres qui vont détruire les cellules qui sont autour et qui par conséquent vont détruire, vous voyez, tous les boutons d'acné de ce jeune homme vont être détruits simplement par exposition aux UV. Pareil pour le sarcone de celui-ci, on a mis des petites nanoparticules magnétiques, on met un champ magnétique, et la le sarcome va être détruit. On peut aussi mettre un médicament, pareil typiquement que celui-ci, qui va détruire les cellules cancéreuses, on l'injecte et il va libérer le médicament à l'intérieur des cellules cancéreuses. Alors, quel est l'intérêt de cette nanomédecine ? Eh bien, c'est, par exemple, quand vous avez des tumeurs cancéreuses, vous savez comment on fait de la chimiothérapie, on envoie un médicament qui tue toutes les cellules, qui se répare, qui va dans tout l'individu, qui va tuer toutes les cellules, vous perdez vos cheveux, vous avez tout un tas d'ennuis consécutifs. Mais si vous faites ces nanoparticules ciblées, ces nanovecteurs, ils ne vont aller que dans les cellules malades, et ils vont détruire que les cellules malades, et par conséquent, c'est beaucoup plus facile à supporter. Vous n'avez pas tous les inconvénients, c'est le magic bullet de Paul Ehrlich. Alors vous allez me dire, c'est du rêve, c'est pas du tout du rêve. Vous avez là, par exemple, l'expansion de janvier 2004, donc déjà il y a plus de 10 ans, qui parle de nanobiotics. Alors nanobiotics, c'est une entreprise française qui s'est créée et qui fait ce genre de médicaments. Alors typiquement, vous injectez, ici c'est de l'oxyde d'hafnium, hein, injecté, il va aller se localiser sur les cellules ici, sur le sarcome, et vous irradiez, et vous allez détruire uniquement le sarcome et pas tout le reste de l'individu. Alors ça, c'est pas du rêve, c'est actuellement en essai préclinique à Gustave Roussy,
l'hôpital qui est à côté de Paris. Vous avez le pape de ces médicaments, de cette nanomédecine, c'est Patrick Couvreur, qui a développé un médicament qui va aller dans le foie uniquement et qui va permettre de détruire les cellules cancéreuses du foie. Et là encore, c'est des choses qui sont, vous voyez, en phase de développement, en phase 3. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la théranostique, parce que vous faites à la fois le diagnostic, donc détecter où sont les cellules cancéreuses, et la thérapie. Quatrième point, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Notre méthode de faire des matériaux réfractaires, des matériaux de haute température, hein, ce que j'avais dit, la guerre du feu, hein, ces matériaux-là, on va mettre à l'intérieur des cellules vivantes. Cellules vivantes, ben, c'est simplement la diatomée. La diatomée, c'est quoi ? C'est une boîte de verre dans laquelle vous avez une cellule, la diatomée, et qui fait des réactions, ben, ici, les réactions de photosynthèse. Donc, vous pouvez faire par photosynthèse avec ces microalgues tout un tas de molécules, de l'oxygène, bien évidemment, et puis des dérivés organiques. Ça, ce n'est pas simplement un rêve, hein, c'est-à-dire utiliser ces microalgues ou ces algues pour faire des biofuels, hein, pour, etc. Et par exemple, c'est actuellement en développement, enfin à l'échelle pilote, hein, à l'échelle pilote, à côté de, dans la, de côté pas très loin de Mantes, la jolie, une cimenterie qui dégage beaucoup de CO2, mais on fait barboter le CO2 dans des lits où il y a des microalgues qui vont récupérer le CO2 et puis qui vont dégager des molécules organiques, de l'oxygène, etc. Et si ces microalgues sont piégées dans la silice, eh bien, vous pouvez les réutiliser et donc développer des qu'on appelle du pétrole bleu, hein, qui est donc fait de cette façon-là. Donc il est possible, si on regarde comment font les diatomées, si on s'en inspire, on doit pouvoir piéger des cellules vivantes, des micro-organismes, dans une boîte en verre. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser pour faire des bioréacteurs ou des biocapteurs. Alors, par exemple, dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux. Donc, voilà des eaux, et on veut savoir si c'est pur, si pas pur, si c'est pollué ou pas. Ben, on va prendre une fibre optique. Une fibre optique. Au bout de la fibre optique, on va déposer une couche, une petite disquette de silice dans lequel vous allez avoir des microalgues, des bactéries, enfin des micro-organismes. Et puis vous allez utiliser ceci. Ce qui est intéressant là, vous voyez, c'est que de ce côté-ci, vous avez tout le dispositif électronique, c'est de la physique, c'est de l'électronique. De ce côté-ci, vous avez toute la partie biologique et le film sol-gel, ça sert juste d'interface entre les deux. Ça permet de réagir du côté biologique et de transformer en un signal physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous allez prendre la fibre optique avec donc cette petite pastille de silice avec des microalgues, par exemple celle-là, la Chlorella vulgaris, microalgues ici, que vous mettez au bout. Vous plongez cela dans la rivière, dans l'étang, peu importe, hein, dans l'eau. Dans l'eau, et vous regardez la fluorescence de la chlorophylle. La chlorophylle, bon, c'est un spectre d'absorption, ça absorbe la lumière, pour ça que c'est vert, et ça va réémettre de la lumière, ça s'appelle la fluorescence. Et bien, si vous regardez la fluorescence par ici, via la fibre optique, elle va varier selon la pureté de l'eau. En particulier, si vous avez des pesticides ou des insecticides ou des choses comme ça, ou des herbicides, vous allez bloquer l'activité photosynthétique de la chlorophylle et vous allez exacerber les fluorescences. Donc en mesurant la fluorescence, vous pouvez simplement voir s'il y a des polluants ou s'il n'y a pas de polluants. Alors disons tout de suite que ce n'est pas quelque chose qui est sélectif, ça ne va pas vous dire c'est tel polluant ou tel polluant, ça va simplement vous dire l'eau est polluée, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Donc il faut faire un prélèvement et faire une analyse, mais c'est une méthode extrêmement simple. Il suffit de plonger dans l'eau, il n'y a pas besoin d'être en laboratoire, etc., et de faire une voir comment varie la fluorescence. Alors si c'est pollué, donc maintenant il va falloir dépolluer. Ben, dépolluer, vous allez pouvoir encore le faire de la même façon, c'est-à-dire que vous allez prendre des micro-organismes, ici ce sont des champignons filamenteux, le nom est écrit ici, et ces champignons filamenteux vont être capables de métaboliser les polluants. Alors la manip a été faite ici, vous faites une pastille dans laquelle il y a des cellules de ce micro-organisme, de ce champignon, et vous allez le plonger, alors là la manip c'est une manip de laboratoire, plonger dans du verre de malachite, donc un produit organique.
Et vous allez voir, très rapidement, que la pastille va devenir bleue, c'est le vert de malachite, et que par contre, la solution a été traitée, a été dépolluée. Donc vous voyez que l'on peut de cette façon-là, d'une part détecter la pollution, et d'autre part la soigner. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est que cette pastille-là, vous allez pouvoir la récupérer, la renettoyer, et puis la réutiliser pour refaire. Donc vous pouvez réutiliser toutes les parties biologiques. Exemple encore d'un autre bioréacteur, qui est là un exemple qu'on a traité au laboratoire, c'est montrer qu'on pouvait faire des miracles. Alors je m'appuie ici sur le miracle qui est ici de Pierre de Prague. Bon, simplement, ce miracle, c'est simplement qu'au moment où vous regardez l'hostie, il y a des taches de sang rouge, des taches sur l'hostie, et que l'on en profite pour dire que c'est le sang du Christ. En fait, c'est un peu plus simple que cela, c'est-à-dire que vous avez dans le pain, ou dans l'hostie, vous avez des bactéries qui s'appellent les Serratia marcenses, qui produisent un pigment, et ce pigment est rouge, et on appelle la prodigiosine, vous devinez pourquoi, parce qu'on pense que c'est un miracle. Alors, c'est bon, ça c'est curieux, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pigment-là rouge, il a des propriétés thérapeutiques, et en particulier, il est capable d'attaquer les cellules cancéreuses. Donc, ce serait intéressant de pouvoir le produire. Alors, on peut faire la synthèse. Vous devinez que la synthèse n'est pas forcément facile. Si on peut demander aux bactéries de fabriquer, ben, ce serait mieux, c'est-à-dire de faire un bioréacteur avec les bactéries de façon qu'elles fabriquent. Alors, ce que l'on a vérifié, c'est que ces bactéries, même si elles sont piégées dans de la silice, c'est la partie en blanc qui est ici, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, eh bien, la solution devient rose. C'est donc que les bactéries ont produit, fabriqué de la prodigiosine. Alors pourquoi c'est rose dans la solution et pas dans la silice? Parce que cette prodigiosine n'est pas soluble dans l'eau et donc pas compatible avec la silice hydrophile, mais par contre dans la solution qui contient tous les nutriments, hein, donc des molécules organiques, il y a une extraction. Donc on la retrouve dans la solution. Alors ce qui est intéressant, c'est plus intéressant que ça même. Si on regarde un peu quel est le comportement des bactéries. Les bactéries, vous savez que ça vit en colonie. Vie en colonie, c'est-à-dire que c'est des micro-organismes qui se parlent entre eux. Donc il y a un langage des bactéries qui est un langage chimique. C'est-à-dire qu'une bactérie fabrique des molécules, c'est ces molécules-là par exemple, les sécrète à l'extérieur, et c'est une autre bactérie qui va les récupérer. Et le fait de récupérer ces molécules, qu'on appelle des molécules de quorum sensing, de communication chimique, eh bien, va modifier le métabolisme de la bactérie. Ça veut dire que cette bactérie-là va pouvoir dire à sa voisine « Maintenant, il faut que tu fasses ça et pas ça. » Donc, commander le comportement de ses voisins. Alors ça ne se produit que lorsque la concentration est assez forte. Typiquement, quand les bactéries se touchent, hein, il ne faut pas qu'il y ait une diffusion dans tout, se touchent et qu'elles forment une colonie. Donc, c'est le langage des bactéries à l'intérieur d'une colonie. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est que quand on a isolé les bactéries, on les a piégées dans un gel de silice, dans de la silice, ben elles ne sont pas touche-touche, elles ne sont pas collées les unes à côté des autres, elles sont séparées, elles ne peuvent plus communiquer, elles ne peuvent plus s'envoyer un signal chimique. Par contre, moi, de l'extérieur, je peux injecter des molécules chimiques et voir quel est le comportement des bactéries. Ça veut dire que je peux, moi, grâce à ce système-là, comprendre le langage des bactéries. Alors, preuve, voilà ce que l'on a fait. Même manip que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'on a un gel de silice qui est ici, dans lequel il y a les bactéries, un liquide au-dessus où il y a les nutriments. Bien sûr, si on veut que la bactérie travaille, il faut lui donner à manger. Et on va regarder la production, simplement, de prodigiosine, c'est-à-dire la densité optique de la rose qui est ici. Eh bien, ce que l'on observe, c'est la chose suivante, c'est que quand on fait ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plus, on a une certaine production là quand elle est enfermée dans de la silice. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter des molécules de quorum sensing. Et ce que j'observe, c'est que la production de prodigiosine a augmenté. Donc, ça veut dire que la molécule que j'ai injectée va activer le métabolisme de la bactérie pour qu'elle fabrique ce pigment qui est ici. Donc, si c'est un bioréacteur, vous voyez que j'améliore la
pour la production, la réactivité, la production de protéine par réacteur. On peut regarder aussi si les bactéries peuvent vivre pendant longtemps dans ces conditions-là. Donc on a fait un certain nombre de manips avec différentes molécules. Je passe sur les noms, ce n'est pas très important. Mais vous voyez que pour certaines molécules, au bout d'un mois, il y a 100% des bactéries qui sont encore vivantes. Donc ça veut dire que ce genre de molécule, premièrement, va exacerber l'activité des bactéries, elles vont produire plus, et deuxièmement, va rallonger leur durée de vie. Donc vous voyez qu'on peut faire de cette façon-là, on peut imaginer des bioréacteurs qui vont être très performants. Donc on commence à comprendre un peu le langage des bactéries. Alors ça va être important, pourquoi ? Parce que les bactéries, vous savez bien, c'est les infections bactériennes qui sont derrière, et donc qui sont très nuisibles pour l'homme. Alors les infections bactériennes, ça intervient de cette façon-là. Vous avez des bactéries, par exemple, dans la bouche. Bon, elles vont se déposer sur les gencives. Tant que les bactéries sont isolées les unes des autres, elles ne se communiquent pas, elles peuvent croître en toute simplicité, et vous n'allez pas, elles ne sont pas pathogènes, vous n'allez pas être malade. Par contre, au moment où elles forment des colonies, des biofilms, à ce moment-là, elles vont avoir un comportement collectif, et à ce moment-là, elles vont devenir pathogènes, virulentes. C'est un peu l'histoire de l'union fait la force. Donc ce qu'il faut éviter, c'est que soit on tue les bactéries, mais il faut éviter surtout qu'elles se parlent entre elles. Si leur comportement est incohérent, il n'y aura pas d'infection bactérienne. Par contre, s'il est cohérent, à ce moment-là, il y a l'infection bactérienne. Donc d'où l'importance d'arriver à comprendre comment elles parlent, comment elles échangent les signaux, et en particulier pour lutter contre les infections bactériennes. Vous savez comment on fait actuellement. Ce que l'on fait, on donne des antibiotiques. Vous connaissez aussi la formule, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, parce que les bactéries vont s'accoutumer, et puis au bout d'un certain temps, l'antibiotique ne marchera plus. Donc il est extrêmement important de trouver une autre voie qui permette de lutter contre l'infection bactérienne. Alors c'est cette voie-là qu'on a étudiée, qui consiste non pas à empêcher le développement des bactéries, on ne va pas les tuer, on les laisse vivre leur vie, mais on va essayer de trouver des molécules qui bloquent la communication chimique, qu'on appelle des molécules de quorum quenching. À ce moment-là, s'il n'y a plus de communication, même s'il y a une colonie, même si vous avez un biofilm, il n'y aura pas d'infection. Alors, c'est des choses qui donnent déjà quelques résultats. Par exemple, ça, c'est une algue rouge qui peut être attaquée par certaines bactéries et elle devient blanche. Eh bien, l'algue, plus intelligente que l'homme, a trouvé la parade et a trouvé quelles étaient les molécules qui permettaient d'empêcher la communication chimique. Ces molécules s'appellent des furanones, et donc l'étude de ces algues et de leur comportement vis-à-vis des bactéries a permis de déterminer que ces furanones pouvaient être utilisées pour lutter contre cette infection-là. Et c'était fait dans l'infection pulmonaire de souris qui est due aux bactéries qui sont ici. Vous voyez que si on injecte des furanones qui sont extraites de cette algue-là, eh bien la pathogénie, enfin, le cancer va diminuer dans la bactérie. Donc vous voyez que là derrière, il y a le comportement, enfin la compréhension du langage des bactéries, et puis derrière, il y a tout un tas d'applications possibles dans le domaine de la chimiothérapie. Application médicale. Là, c'est encore quelque chose qu'on a développé au laboratoire. C'est sur la leishmaniose. Alors, la leishmaniose, c'est quelque chose du même genre que le paludisme, des choses comme ça. C'est une maladie qui est transmise par la piqûre du phlébotome, quelque chose qui ressemble à un moustique, et qui va donner des maladies assez embêtantes. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Quand vous êtes piqué par un moustique, par quelque chose, il va injecter dans votre corps ce qu'on appelle des antigènes, un poison, entre guillemets. Mais votre corps va se défendre en produisant des anticorps qui vont attaquer l'antigène et l'empêcher de l'éliminer. C'est le béaba de l'immunologie. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va vous vacciner, on va vous mettre un virus affaibli ou un truc comme ça. Vous allez fabriquer des anticorps qui vont l'éliminer et quand le vrai virus va arriver, il va trouver à qui parler. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette réaction-là, antigène-anticorps, est extrêmement spécifique. Et ça permet de déterminer si vous êtes séropositif ou séronégatif. Donc on fait des tests qu'on appelle des tests ELISA. On a fait ça à la Pitié-Salpêtrière, dans le service de Marc Gentileni. C'est-à-dire qu'on a encapsulé des leishmanies, donc ces petites cellules-là,
dans les plaques ELISA, c'est ce qui est utilisé couramment à l'hôpital, y compris pour faire les tests du sida et des choses comme ça. Et ensuite, on met le sérum du patient. Alors, si le patient a été piqué, donc est séropositif, eh bien, il va avoir des anticorps et ils vont se fixer sur les leishmanies. Et à ce moment-là, on va faire une détection optique et on saura s'il est malade ou pas malade. Alors ça, c'est la façon de faire, normalement, dans un hôpital, dans des puits, et donc on met quelques gouttes dans chacun des puits. Eh bien, on a fait la même chose, non pas sur des puits, mais dans des pastilles dans lesquelles il y avait ces cellules de leishmanie, et on a vérifié, effectivement, on peut faire le test, c'est-à-dire que les propriétés antigéniques de la leishmanie ne sont pas détruites quand elles sont encapsulées dans un gel dans de la silice. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Ben, c'est intéressant parce que ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que maintenant, vous avez des petites pastilles, vous allez pouvoir faire le test dans des conditions, je dirais, sur le terrain, dans la jungle ou des choses comme ça, sans avoir un équipement immunologique très compliqué. Et par exemple, ça a été fait par des collègues brésiliens, où vous fixez simplement vos leishmanies, donc les cellules de leishmanie, sur un petit film ici, que vous avez sur une pastille. Et ensuite, vous faites un test pour voir si vous avez des anticorps ou pas. S'il y a des anticorps, ben, ça va donner, par exemple, en immunofluorescence, vous allez les voir se fixer sur les cellules de leishmanie. Donc, vous pouvez, dans la jungle, vous voyez que ces cellules-là vont rester viables pendant 2 mois à 4 degrés. Donc, si vous faites une expédition dans la jungle d'un mois, il n'y a pas de problème, vous gardez ça dans un petit frigo, enfin, d'un truc. Et vous allez pouvoir faire le test sur place sans aller retourner dans un hôpital pour faire un test savant. Donc c'est au moins une première alarme qui vous dit « faites attention, vous avez été piqué, il faut aller vous faire soigner ». On peut aussi, d'autres manips qui ont été faites par des Italiens, faire des transplantations de cellules d'un organisme à un autre, et en particulier ça a été fait sur les îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans, c'est dans le pancréas, hein, c'est pour le métabolisme du glucose. Eh bien, ces îlots de Langerhans, on peut les encapsuler, et dans des petites capsules comme ça, voilà les îlots, et puis la capsule qui est là. Et ensuite, on peut les injecter, soit sur des souris, soit dans l'homme. Dans le cas de souris, ça a été fait par injection directe. Dans le cas de l'homme, ça a été fait simplement par déviation de la veine aorte. Et ce que l'on constate, eh bien, c'est que ça va fonctionner, c'est-à-dire que vous allez remplacer les vrais îlots de Langerhans par des faux îlots, donc vous allez lutter contre la glycémie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes dans une petite capsule, la porosité est trop faible pour que les anticorps de l'organisme récepteur agissent, et par conséquent, il n'y aura pas de rejet immuno. Hein, vous allez pouvoir donc travailler de cette façon-là, et les cellules vont rester actives pendant plusieurs mois. Donc vous voyez, il y a des bouchées possibles dans le domaine de la médecine. Dernier point que je voudrais développer, c'est le point suivant, c'est les diatomées des biomatériaux nanostructurés. Alors, si je reviens à la chose suivante, ce qui est intéressant dans ces structures, c'est de diatomées ou d'autres, ou des ailes de papillons, tout ça, c'est qu'elles sont multifonctionnelles. C'est-à-dire que pour obtenir les propriétés désirées, l'organisme va jouer sur la nanostructure. Alors, je m'explique. Quand vous faites du verre, selon ce que vous voulez faire, par exemple du vitrage, vous mettez du sodium. Des verres borosilicatés pour résister le pyrex, vous mettez du bore. Des verres très brillants comme du cristal, vous mettez du plomb. Chaque fois qu'on veut une propriété particulière à notre matériau vert, on rajoute quelque chose. Ou bien, si l'on veut faire des bouteilles, des fibres ou de la laine de verre, on va la fabriquer autrement. Donc je veux dire que chaque fois que vous voulez une application donnée à ce matériau, vous allez modifier sa mise en forme, vous allez modifier sa composition, etc., etc. Ce qu'un micro-organisme ne peut pas faire. Les diatomées, il faut bien qu'elles se débrouillent avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire avec leur aptitude à former une cage d'oxyde, de silice. Alors pourquoi ? Par exemple, premièrement, il faut que cette carapace solide protège. Donc il faut que ce soit un solide que l'on puisse faire dans de l'eau. La plupart des coquillages, c'est du carbonate de calcium. Carbonate de calcium, c'est cristallisé. C'est ce que j'appellerais en technologie humaine une céramique. Pourquoi la diatomée choisit de faire du verre, de la silice ? Eh bien, parce qu'il faut que ce soit solide, du verre, mais il faut que ce soit transparent pour la photosynthèse. Or, le verre est transparent, mais ce n'est pas le cas de la céramique. D'où le choix de la silice
alors que l'huître et tout ça choisissent le carbonate de calcium. L'huître n'a pas besoin d'être transparente, la moule, l'escargot, ça n'ont pas besoin d'être transparent. Ce qu'il faut encore, c'est que cette carapace permette d'échanger avec le milieu extérieur pour le métabolisme. Alors quand c'est une huître, c'est facile. C'est un bivalve, on ouvre. Mais quand c'est un unicellulaire, il n'y a pas de muscle, on ne peut pas ouvrir la boîte. Par conséquent, il faut que la boîte soit poreuse. D'où la porosité des diatomées. Porosité, ben, j'ai signalé tout à l'heure l'utilisation de ce matériau poreux dans l'industrie. Bon. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Non seulement c'est du verre qui est solide, qui est transparent et qui est poreux, mais si vous regardez la porosité, elle n'est pas n'importe comment. C'est une porosité qui est hiérarchisée. Il y a plusieurs couches de trous ayant des dimensions différentes, en particulier ayant trois dimensions différentes, allant par exemple des 10 nanomètres à 1000 nanomètres. Alors vous allez voir ça très bien sur la diapo qui est ici. Vous voyez des grands trous, des trous moyens et des petits trous. Donc il y a une hiérarchie dans la porosité que vous voyez là encore. Ça, c'est des microscopies électroniques faites au laboratoire. Et c'est encore plus joli que ça. Voilà, différentes grandeurs. Ce que vous constatez, c'est la chose suivante. C'est que ces trous ne sont pas répartis de façon aléatoire, mais qui forment une structure périodique régulière. C'est-à-dire que vous avez une périodicité, voilà ici des réseaux hexagonaux, une périodicité, je dirais, des indices de réfraction, des trous par rapport à la silice. Donc la silice, c'est 1,5, l'indice de réfraction, les trous, c'est 1. Et c'est un réseau hexagonal de maille 0,6 micron. 0,6 micron, c'est la longueur d'onde de la lumière. Et c'est ce qu'on appelle, en physique moderne, des cristaux photoniques. Alors, cristaux photoniques, c'est quelque chose qui a été développé depuis une vingtaine d'années en physique. Hein. Et ça, c'est ce que j'appellerais des cristaux photoniques vivants. C'est-à-dire que les diatomées, elles vont faire ce qui est non seulement des trous, mais elles vont les répartir de façon régulière, de façon à avoir certaines propriétés optiques. Alors, c'est les propriétés optiques des cristaux photoniques, c'est-à-dire qu'on va avoir de la diffraction de la lumière dans un cristal photonique, comme on a la diffraction des rayons X avec la position des atomes. Hein, ça veut dire que la lumière, les photons, vont se propager dans ce cristal photonique, un peu comme les électrons dans un semi-conducteur. Il va y avoir des bandes interdites, un comportement qui n'est pas simplement linéaire. Alors ça, vous connaissez, une des conséquences immédiates, c'est l'irisation, les couleurs structurales, l'irisation, les ailes de papillon, la nacre, l'opale, tout ça, ce sont des structures périodiques d'objets d'indices différents, bah, typiquement de l'air et de la silice, ou du carbonate de calcium. Et effectivement, les diatomées, voilà des diatomées qui sont ici, vous voyez qu'il y a de l'irisation ici, et c'est pourquoi on les appelle parfois les opales des mers. Bon, ce n'est pas l'intérêt essentiel, c'est l'intérêt pour votre fiancé, si vous voulez lui faire un cadeau, ça va être plus joli s'il y a de l'irisation, mais ce n'est pas l'intérêt essentiel. L'intérêt essentiel, il est là. Pourquoi les diatomées font ça? Ben, elles font ça, pourquoi? Si vous regardez la lumière passant à travers un frustule, ça s'appelle les frustules, ces petites carapaces de diatomées, à travers un frustule, ben, vous constatez que ça dépend de la longueur d'onde, et en particulier que le bleu pénètre moins que le visible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la répartition régulière des trous va jouer le rôle de filtre UV. Alors filtre UV, c'est-à-dire que le rouge, la lumière visible va passer, mais les UV ne vont pas passer. Alors pourquoi ça? J'ai souligné, les microalgues, c'est des photosynthèses. Et donc pour faire de la photosynthèse, il faut être le plus près possible du soleil, à la surface. Mais bien sûr, avec les UV, c'est comme nous sur la plage, les UV, s'ils pénètrent dedans, ils vont brûler la cellule. Donc il faut qu'elle se protège. Alors nous, ce qu'on fait, on met une crème. La diatomée ne peut pas mettre de crème. Simplement, elle répartit ses trous de façon régulière, de façon que le visible passe et que l'UV ne passe pas. Donc vous voyez la subtilité de ces micro-organismes ici. Et donc c'est toute une science nouvelle qui s'appelle la biophotonique. Il y a les ailes de papillon, enfin il y a tout un tas d'organismes vivants qui utilisent ce genre de propriétés. Alors, quel est l'intérêt de ce genre de choses? Par exemple, d'utiliser des diatomées pour faire des dispositifs. Maintenant, on ne va pas simplement les imiter et faire des choses pareilles, on va les prendre et les utiliser. Une diatomée vivante, c'est quoi? C'est comme un petit bioréacteur.
Vous lui donnez de la silice et elle va faire une carapace de silice. Mais si dans le liquide nutritif vous mettez quelque chose, autre chose que de la silice, eh bien vous allez le retrouver dans la carapace. Si vous mettez du germanium, du manganèse, vous allez le retrouver ici. Et cette carapace, qu'on appelle donc la frustule de diatomée, va posséder des propriétés d'électroluminescence dues simplement aux ions que vous avez rajoutés. Vous pouvez faire aussi des cellules solaires. Alors ça, c'est la cellule solaire normale à base de silicium, mais vous pouvez faire les cellules de Grezel, les cellules à colorant, c'est-à-dire que c'est un colorant organique qui va produire les électrons qui sont récupérés par l'électrode d'oxyde de titane. Ce qu'il faut... Et l'avantage, c'est que comme c'est de l'organique, c'est pas du silicium, c'est pas, ça peut être quelque chose qui est souple, et vous pouvez faire des panneaux solaires comme ceci. Hein. Alors qu'est-ce que l'on fait ? Vous avez toute la réaction va se produire à la face. Le colorant va produire les électrons qui sont récupérés par les petites particules d'oxyde de titane, et ensuite ils sont transférés sur l'électrode. Alors, ce qu'il faut bien évidemment pour que ceci marche, qu'il y ait un contact extrêmement étroit, une grande surface d'interaction entre le colorant et les petites particules d'oxyde. Eh bien, pour ce qui a été fait, c'est la chose suivante, c'est de prendre des diatomées vivantes, de mettre dans le bain de culture de la silice, et à la fin, de mettre du titane. Ce qui veut dire que la dernière couche va être de l'oxyde de titane, très poreux, puisqu'une diatomée est très poreuse, et par conséquent, à ce moment-là, vous allez avoir des rendements qui sont beaucoup plus importants. Et voilà, par exemple, l'équivalent quand l'oxyde de titane est déposé sur des diatomées par rapport à un film d'oxyde de titane normal, vous l'avez avec des propriétés bien supérieures. Ce n'est pas très difficile. Hein. Si vous voulez faire une couche, une électrode avec des diatomées, voilà les diatomées, vous avez une goutte d'eau, vous la faites sécher, et vous avez un revêtement avec des... Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment de la chimie, c'est-à-dire prendre la frustule en silice et faire des réactions chimiques, par exemple de réduire la silice par le magnésium, ça va donner du silicium, d'éliminer l'oxyde de magnésium par un acide, et ça va vous donner une frustule qui est en silicium. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des matériaux qui sont à la fois semi-conducteurs électroniques, le silicium, et photoniques. Et l'on peut faire, par exemple, je repasse rapidement ici, on peut faire des électrodes, d'ici de photoélectrodes en ayant le silicium. Dessus, vous greffez des molécules qui vous permettent de fixer sur une électrode d'or et vous pouvez faire un dispositif. Donc, ce que je veux simplement montrer ici, c'est que vous pouvez utiliser l'être vivant, la micro-algue vivante, pour fabriquer des matériaux. Alors là, c'est la fin de mon exposé. C'est pour vous. Je vais parler des atomes, mais il y a des... Enfin, des... Je ne sais pas si c'est des éponges, hein. Je vais parler des éponges, qui sont encore beaucoup plus subtiles que les diatomées, et qui font des... Alors les éponges, c'est un corps qui est très mou, et ce corps très mou, en général, il se renforce en faisant ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire des petits morceaux solides comme ceci, qui permettent un petit peu de durcir, d'améliorer les propriétés mécaniques. Ils peuvent aussi faire des fibres de silice, qui peuvent avoir un mètre de long, comme ceci, qui leur permettent de se fixer sur le sol. Mais peuvent aussi, et ce sont ces éponges qui sont ici, voyez, qui fabriquent quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui est une espèce de filet. Je l'ai apporté ici, donc je peux vous le montrer. C'est cet objet-là. Cet objet-là que fabrique l'éponge, c'est de la silice, c'est du verre. Et c'est une dentelle en verre, et c'est un petit filet. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que les mailles sont petites, et donc les petites crevettes peuvent entrer dans le filet. Elles vont manger, vont grossir, elles ne peuvent plus sortir. Et par conséquent, elles vont rester toute la vie, elles vont rester à l'intérieur, et il va y avoir une symbiose entre le métabolisme de l'éponge et le métabolisme des petites crevettes, qui va durer toute la vie. C'est pour ça qu'au Japon, cette corbeille de Vénus, ça symbolise la fidélité conjugale. Et si vous regardez, ben vous pouvez venir voir de près après, mais j'ai pris la photo en grand, c'est vraiment une dentelle absolument extraordinaire. C'est une éponge qui fait cela. Donc c'est pour vous montrer que le vivant, c'est quand même faire des choses extraordinaires. Alors quand un de mes étudiants vient pour faire une thèse au laboratoire, je lui montre cet objet-là, je lui dis, tu vois, ça c'est une éponge qui fait.
Ben, tu me fais la même chose pendant ta thèse et tu auras ta thèse. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas eu une thèse passée au laboratoire depuis 10 ans. Voilà. Alors, je termine simplement sur cette phrase-là. En répondant à Darwin, pourquoi c'était si beau ? Ben, c'est parce que quand même la beauté inspire l'homme et ça permet de faire de la chimie douce et des matériaux bio-inspirés. Et je voudrais rendre quand même hommage à Léonard de Vinci, qui à mon avis était le premier bio-inspiré, qui disait « Observez la nature, c'est là qu'est notre futur ». Merci. La porte sur la table. Moi, j'ai déjà touché tout à l'heure. En fait, c'est dur, hein. C'est pas du tout. Alors, il faut pas vous disiez qu'il fallait pas trop appuyer parce que quand même, c'est pas. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous sers un petit verre d'eau, hein, parce que vous n'avez pas bu pendant cet exposé. Voilà. Merci. Non, je voudrais vous remercier pour la qualité de la présentation, ce travail que vous avez fait. Il y avait à peu près 100 diapos, 100 slides. On ne les a pas vus passer, hein, parce que tout est fluide, il n'y a pas une note, vous n'avez pas une seule note. Et aussi, ce que je voudrais souligner, c'est la qualité des images qui sont présentées, qui sont vraiment magnifiques. Je sais que vous soignez absolument tous ces détails pour nous présenter quelque chose de formidable. Alors, quelle somme d'informations ? Moi, il faudrait que je revoie ça au moins 3 semaines d'affilée, hein, pour pouvoir vraiment. Bon, vous pourrez le revoir, hein, je vous l'ai dit, sur le site de l'Espace des Sciences, sur notre chaîne YouTube. Mais en attendant, vous avez peut-être des précisions, des questions à poser. Alors, vous n'hésitez pas, on va vous passer le micro. Voilà, Yannick, merci. Bonsoir. Si ça marche. J'ai lu une étude récente qui permet de dire qu'on pourrait créer de la lumière avec des cellules de méduses. Est-ce que vous êtes au courant de cette chose-là ? Pas spécialement, mais enfin, je suis au courant de ce qu'on appelle la bioluminescence. Je pense que c'est à peu près la même chose. Hein, là, les cellules, il y a des méduses bioluminescentes. Alors, ce qui se passe, c'est la conférence que j'avais faite l'année dernière sur la couleur. C'est-à-dire que vous avez une réaction biologique avec la luciférase, en l'occurrence, qui fait que vous fabriquez une molécule sur un état excité, qu'elle se redescend, qu'elle lâche son énergie sous forme de lumière. Donc ça, c'est typiquement la bioluminescence que vous trouvez dans les méduses, dans les vers luisants, etc. Je pense que c'est ça. Et je sais qu'il y a une start-up, une petite compagnie qui est en train de fabriquer, justement, d'essayer de faire de la bioluminescence pour éclairer les rues, etc. Donc, certains essayent d'utiliser ça pour faire de l'éclairage. Mais ça, c'est une réaction. Enfin, je pense que dans les méduses, en l'occurrence, c'est la même chose. C'est une réaction classique. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, monsieur. Ici. Oui, bonjour et merci beaucoup. J'ai été émerveillé par votre exposé. Je ne connaissais pas du tout le sujet, mais là, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Merci. Une question, c'est je crois qu'avec des algues, on peut aussi faire de l'électricité. Je sais qu'il y a un moyen qui a été développé de façon un peu expérimentale avec le projet d'en faire quelque chose un peu à l'échelle industrielle. Alors, est-ce que vous y croyez ou pas ? Non, je ne connais pas. Comment on fait l'électricité avec des algues ? Je ne suis pas spécialiste des algues. Hein. Celle-ci ne m'intéressait que parce qu'elle fabriquait du verre. Par contre, ce que je peux dire, c'est la chose suivante. Faire de l'électricité actuellement avec les centrales nucléaires, etc., comment on fait l'électricité ? Ben, simplement, on chauffe de l'eau. Hein, puis ensuite, c'est la machine de Papin. Par contre, si vous faites une réaction chimique ou biochimique, une réaction chimique, c'est quoi ? C'est un échange d'électrons entre deux partenaires. C'est donc, a priori, déjà de l'électricité. Il suffit de récupérer cet électron, de le mettre sur une électrode, et hop, vous avez l'électricité.
Donc je pense que dans le cas présent, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez avoir une réaction biologique d'oxydoréduction, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est un échange d'électrons entre deux partenaires. Et si vous arrangez pour récupérer cet électron, vous faites de l'électricité. Alors il y a ce qu'on appelle les biopiles aussi. Hein, mais cette fois-ci, vous pouvez utiliser, c'est des bactéries, je pense, pour catalyser une réaction qui va faire la dissociation de l'eau et fabriquer de l'hydrogène. Donc ça, c'est des choses qui existent. Alors moi, je connais avec des bactéries, peut-être qu'avec des algues, ça se fait aussi, je ne sais pas comme ça. Une autre question ? Oui, là-haut. Laetitia, merci. Enfin, la photosynthèse, c'est quand même un cycle dans lequel il y a un électron qui se promène. Donc, si on peut le récupérer, on peut faire de l'électricité. Madame ? Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question par rapport aux nanoparticules. Donc, j'ai bien compris l'intérêt en médecine d'utiliser ces nanoparticules qui ciblent bien les cellules malades. Maintenant, on en trouve aujourd'hui dans notre alimentation, dans les cosmétiques, on en voit partout. Et est-ce qu'on a des études épidémiologiques, un petit peu du recul par rapport à l'utilisation de ces nanoparticules et en particulier où elles se concentrent après dans le corps ? Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des nanoparticules, sauf pour l'utilisation en nanomédecine. En général, ces nanoparticules, alors quand vous les absorbez par voie sanguine, je dirais, hein, c'est essentiellement dans le foie et dans les reins qu'elles vont se localiser. Et c'est la raison pour laquelle, quand on veut qu'elles aillent atteindre des cellules cancéreuses, on met une couche à la surface de polyéthylène glycol de façon qu'elles ne soient pas fixées par le foie. Qu'elles continuent à circuler jusqu'à ce qu'elles arrivent aux cellules malades. Alors, ceci étant, les nanoparticules dans les crèmes solaires, les alimentations et tout ça, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais il y a forcément énormément d'études qui sont faites actuellement. Et je peux affirmer que les gens qui font de la cosmétique, en particulier, sont en train de chercher comment éviter ces nanoparticules pour faire des crèmes UV, enfin, etc., toutes ces affaires-là, hein. Et en particulier, s'intéresse par exemple à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'aspect photonique des diatomées, de façon à utiliser le même principe. Hein, pour, c'est plus des nanoparticules, là c'est une cellule, enfin c'est des objets poreux, de façon à effectivement éviter les UV et tout ça. Donc c'est un domaine où il y a tellement de façon, enfin, tellement de bruit qui se forme autour de l'écologie et tout ça, qu'il y a forcément des études derrière. Ce que je voulais dire simplement, c'est la chose suivante. D'une part, c'est montrer quand même l'intelligence des diatomées. Jamais on pourrait penser que des petites cellules comme ça vont faire des cristaux photoniques. Nous, c'est les physiciens de haut vol qui font ça, d'une part. Et puis d'autre part, que tout n'est pas forcément mauvais dans les nanoparticules, qu'il peut y avoir des aspects bénéfiques. Une autre question ? Oui. Bonsoir, merci. Ah, allez-y. Vous m'entendez ? Oui. Ah oui, là ça va. Je voulais revenir sur l'exemple que vous avez donné sur la bioremédiation. Je voudrais essayer de mieux comprendre comment on peut contrôler, c'est peut-être sur un contrôle de la structure dans le processus Sol-Gel, comment vous arrivez à contrôler la structure du matériau qui est généré pour garantir que le champignon ou n'importe ce qu'on met dedans reste piégé à l'intérieur et ne puisse pas se répandre dans le milieu, mais que par contre, les éléments de pollution, eux, puissent rentrer pour que le champignon fasse son travail. Tout à fait. Alors bon, c'est un point, je dirais, entre guillemets, chimique que je n'ai pas développé du tout, mais on possède maintenant suffisamment de maîtrise sur ces procédés Sol-Gel pour arriver à faire des matériaux poreux, bien évidemment, mais dans lesquels on peut contrôler la taille des pores. Donc, alors je n'irai pas faire contrôler au nanomètre près, mais faire des pores suffisamment petits pour que les anticorps ne passent pas et suffisamment gros pour que les molécules passent. Disons qu'en gros, c'est autour de la centaine de nanomètres que se fait la distinction. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Alors en jouant comment ? Ben, en jouant sur le séchage, en jouant sur le pH, en jouant sur la concentration, en jouant sur des additifs, etc. Là, je n'ai pas du tout développé cet aspect, je dirais, entre guillemets, un peu culinaire du Sol-Gel. Mais c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Il y avait une autre question, oui.
Je me disais aussi il y a longtemps qu'il n'a pas posé de questions. Hein. Depuis la semaine dernière. Oui, j'en reviens aux vitres auto-nettoyantes, etc. Avec finalement, les matériaux sont hydrophiles à la surface. Et comment dépose-t-on sur la vitre ordinaire d'une, mettons, d'un pare-brise, d'un revêtement mural, enfin d'une baie vitrée, d'immeuble, etc., etc. Comment le verre de base du pare-brise accepte ce film hydrophobe, quoi, finalement, quoi. Non, c'est une méthode qui est assez simple. Alors, je parle d'un... Oui. Mais c'est un tout petit peu. Voilà. Par là, ça va mieux. Bon. Non, c'est une méthode qui est bien maîtrisée maintenant, parce que c'est quand même les procédés industriels qui ont été brevetés en 1939. Hein. Donc, c'est un produit industriel. Alors, la méthode la plus simple, c'est ce que j'appelais le trempage. Donc, vous avez le vitrage, vous le trempez dans une solution de silice, pas polymérisée, et vous retirez. Donc, il y a un film qui reste, qui adhère et qui va sécher. Et en séchant, qui va polymériser et donner un film solide. Donc ça, c'est un procédé qui est bien maîtrisé. Alors de silice, d'alumine, d'oxyde de titane, ça peut être tout un tas d'oxydes. Hein. S'il n'y a plus de questions, bon. Il n'y en a plus. Je voulais juste, j'avais juste envie de demander à notre président, à mon président, le président de l'espace des sciences, qui est lui aussi à l'Académie des sciences, que vous connaissez très très bien. S'il y avait encore des choses qui le surprenaient dans les exposés de son ami Jacques Livage, mon cher Jacques. Voilà. Est-ce que les diatomées sont plus intelligentes que les verriers? Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles aient inventé les cristaux photoniques. Ça. Et elles ont inventé ça il y a 200 millions d'années. Mm. Enfin, quand on voit ça, je veux dire qu'on ne comprend plus rien. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je trouve formidable que des scientifiques comme vous, avec tous vos backgrounds, puissiez encore vous admirer ce que la nature a à nous offrir. Ouais. Quoi. Ça, c'est formidable. Regardez ce filet. Là. Ouais. Même mon épouse n'est pas capable de faire ça. Et pourtant, elle a beaucoup de talent, c'est ça. Voilà, eh bien, écoutez, je crois qu'on va en rester là pour ce soir, parce que c'est un exercice long, fatigant, et merci encore, professeur Livage. Merci. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons de Rosetta, de Philae et de la comète Tchoury avec Yves Langevin, qui, excusez du peu, est le petit-fils de Marie Curie, l'arrière-petit-fils de Marie Curie. Oh, voilà, le fils d'Hélène Langevin qu'on a souvent reçu ici, et c'est lui qui viendra nous parler de cette belle aventure Rosetta la semaine prochaine. Alors, j'espère que vous serez là très nombreux. Merci à vous pour votre attention. Rentrez bien, couvrez-vous bien. Et à la semaine prochaine, j'espère. Bonsoir et merci à toute notre équipe technique. Merci.